Sage. Oui, alors est-ce qu'on peut vous faire une petite surprise? Oui. Oui? Alors on ferme les yeux, attention. Et moi je vais vous poser à chacune une petite surprise. Ça y est, ouvrez les yeux. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là! C'est un œuf Disney princesse. Ouh! Alors ça c'est trop bien, hein? Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Allez, vous arrivez à le défaire? Faut arracher le papier. Voilà. On arrache. Tu arrives, Angela Maria? Oh, c'est un peu difficile, hein? Oh, bah alors je vais vous aider, hein? On va prendre un petit ciseau et je vous aide. D'accord. Alors, oh là là! Qu'est-ce qu'il y a dans cette grande œuf Disney? Dans cette grande œuf? Waouh! Qu'est-ce qu'on a, Angela Maria? Oh! Alors, on a tout plein de super jolies choses. Alors, waouh! Ouais! Alors, vous montrez ce que vous avez? Alors, moi, je vois des dessins. Des jolis dessins, oui, toi aussi, Lodia, tu as des dessins, vous avez des autocollants. Et moi, j'ai du maquillage aussi. Non, c'est des tampons, des feutres, des crayons. Qu'est-ce que c'est ça? Des tampons aussi avec les... Ça, c'est les encreurs. Les encreurs avec les tampons. Très bien. Et toi, Angela Maria, tu as quoi? Alors toi, voilà, toi c'est pareil, tu as des autocollants, les tampons, et voilà, et il y a de la peinture, et Lydia déjà, j'en ai plein les doigts. Alors on va nettoyer tout ça, et vous allez pouvoir, ouais. Allez, on nettoie les doigts et après vous passez à l'action. Alors les filles, vous allez choisir chacune un coloriage, hein, vous choisissez parmi vos 10 coloriages, hein, toi tu veux réponse, Angela Maria? Et toi, ma chérie, et vous allez faire le coloriage. Et après, on va sélectionner le plus beau coloriage. Toi, tu veux réponse? Alors, montrez. Alors, Angela Maria, t'as pris lequel? La petite sirène. Et toi, Lucia, t'as pris lequel? Réponse. Allez, et bien maintenant, vous allez prendre vos feutres, vos crayons. Moi, j'aime pas les crayons. Et vous allez essayer de faire bien comme il faut votre dessin et après on sélectionnera le plus beau dessin. D'accord? Oh, c'est... Est-ce que... Eh bien, réponse, elle est comment? Réponse, elle est en violet et rose. Et la petite sirène, elle est en quelle couleur? Violet clair. Violet clair et rose. Mais tu as violet et rose, hein, mon équipe. Et la petite sirène, elle est quelle couleur, la petite sirène? Elle est bleue et verte. Elle a le maillot de bain bleu et vert. Et les cheveux. Et voilà. Et les cheveux, ils sont rouges. Rouges. Bon, après, on ira chercher d'autres feutres, hein, s'il faut. D'accord? Allez, vous commencez par les couleurs que vous avez. Et bien, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Vous faites votre coloriage. Et pendant ce temps, je vais aller chercher... Qu'est-ce que je vais aller chercher? Les couleurs qui manquent, d'accord? Thank you.
Moi, je finis mon coloriage et Angela peut jouer. Alors voilà, Angela Maria, elle a lâché l'affaire. Elle a abandonné le coloriage. Bon, elle s'était bien appliquée en plus. Et Lugia, elle continue toute seule, mais elle s'applique. Elle nous fait une réponse vraiment toute rose et violette. Jolie, elle a mis ses beaux tampons. Et là, elle s'occupe des manches. T'as fini ton dessin. Alors, comme Angela Maria a déclaré forfait, le plus beau dessin, c'est lequel? C'est celui de Lugia. Montre. Alors là, c'est réponse qui est vraiment tout en rose et en violet. Hein. Heureusement, Pascal, il a échappé. Hein. Il aurait pu être en rose, mais finalement, il est quelle couleur, Pascal? Vert. Alors, tu as mis les tampons, t'as utilisé les petits autocollants. Ça y est, ma chérie? Bravo. Allez, qu'est-ce qu'on dit au petit loulou? À très bientôt! À bientôt, les petits loulous! Bisous, bisous!